pobre alma, centro de mi arcilla pecadora, cercada por contrarias fuerzas, ¿por qué por dentro languideces y por fuera te vistes tan festiva? ¿Por qué malgastas en tu casa que acabará en ruinas? Serán los gusanos, herederos de ese exceso, quienes coman tu cuerpo. ¿A eso lo destinas? Aumenta con sus desgracias tus caudales. Compra lo eterno al precio de la escoria. Por fuera sé modesta, por dentro rica. Te nutrirás de la muerte, voraz de vida humana. La muerte matarás y ya no habrá muerte. Quel qu'il soit, n'est-ce pas, et qui n'est pas forcément, bien entendu, une figure humaine. Enfin, il y a des tas de substituts, il y a de nombreux substituts érotiques à la figure humaine, et en particulier... qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros, de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Parce qu'en général, à gauche, le texte ou la littérature est toujours présentée sous ses aspects de valeur de combat, enfin, valeurs de lutte, de combat, d'engagement, et j'ai voulu montrer que, à mon sens, il n'y avait pas de l'engagement social. Harto de todo esto, el sueño eterno imploro, viendo al mérito mendigo y lo nulo e indigno engalanado. Confianza defraudada, y la honra adjudicada erróneamente, y la casta virtud prostituida, y lo digno y perfecto envilecido, y la fuerza dejada por deformes.
injustamente amordazado y el necio doctoral juez del talento, y la simple verdad vuelta simpleza y el bien del prepotente mal cautivo. Ya harto de pesares, partiría. Mas si muero, a mi amor dejaré solo.